On va commencer très simplement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton itinéraire pour arriver jusqu'au département de mathématiques d'Orsay? Alors, je suis originaire du nord de la France, donc j'ai fait une classe préparatoire à Lille. Et à l'issue de cette classe préparatoire, j'avais envie d'enseigner. Je voulais être professeur en classe préparatoire plutôt. Donc j'ai voulu faire le magistère d'Orsay pour faire ensuite l'agrégation de mathématiques à Orsay, puisqu'il y avait une très, très bonne réputation. Et on avait été déjà plusieurs, enfin, les années précédentes, au lycée Federbe, à intégrer le magistère, puis à faire l'agrégation à Orsay. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée au magistère d'Orsay en 1997. J'ai fait 2 ans et après j'ai passé le concours pour entrer à l'ENS Cachan, le concours 3e année. Donc j'ai passé une année là et ensuite j'ai fait mon DEA à Orsay et ma thèse à Orsay. Donc j'ai passé en tout 6 ans à Orsay. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots quelle impression tu as eue en arrivant au département de maths, durant les premiers cours, ça devait être en 3e année de licence, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Quelles impressions tu gardes de ce moment-là? C'était un moment très agréable. Après, la classe préparatoire, c'est assez intensif. Et puis là, ça permettait d'asseoir les connaissances. Une période qui a été beaucoup plus sereine pour moi. Et ça se passait assez bien. Je commençais à choisir les cours que je préférais. Hein. Je commençais à m'orienter au sein des mathématiques. Et ça a été une période très agréable. En fait. C'est là que j'ai commencé à choisir plutôt l'analyse, puisque c'est oui. Ce que j'ai fait après. Mais avec un enseignement, enfin, voilà, tous les cours se passaient relativement bien, mais j'ai eu des enseignants plutôt de côté analyse qui m'ont justement amené à ce déclic en me disant oui, c'est de l'analyse que je veux faire. C'est de l'analyse, c'est des équations dérivées partielles, c'est de l'analyse numérique. Et voilà, donc déjà dès la licence 3e année, et ça s'est confirmé en maîtrise, donc je me suis destinée plutôt à cette branche des mathématiques. Et donc, dès la maîtrise, on peut dire que petit à petit, tu réorientais ton souhait d'enseigner un peu vers la recherche aussi, ou est-ce que c'est trop tôt? Alors, oui, c'est peut-être encore un peu trop tôt là, mais disons que c'était une voie que je ne fermais plus. Voilà, je pense que quand je suis arrivée à Orsay, je ne savais pas ce que c'était la recherche en mathématiques. Je ne savais pas. Enfin, je ne suis pas dans ma famille, il n'y a aucun enseignant-chercheur, aucun chercheur. Ce n'est pas une profession, une vocation que je connaissais. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai complètement découvert à Orsay par plein de biais différents, aussi bien par les enseignants et aussi par toutes les activités qui se mettaient en place, les fêtes de la science, toutes les activités extra-enseignement, on va dire, mais qui m'ont permis de voir d'autres facettes de ce qu'on peut faire avec les mathématiques. Et effectivement, c'est en maîtrise où là j'ai commencé à voir qu'on pouvait faire de la recherche en mathématiques. On a eu quelques stages aussi où j'ai commencé à m'initier à la recherche dans les stages. Et ça s'est confirmé plutôt l'année suivante. Et puis, quand j'ai eu l'agrégation, maintenant, je vais faire un DEA, puisque de toute façon, en plus, comme j'étais rentrée à l'ENS, j'avais encore une 4e année, donc je voulais faire un DEA, enfin un Master 2 maintenant. Et au moment d'enseigner, enfin, le moment où normalement j'aurais dû enseigner, là, je me suis dit, autant faire une thèse pour voir ce que c'est. Et en me disant que de toute façon, cette expérience, même si après j'allais enseigner, cette expérience pouvait être enrichissante et apporter quelque chose si j'enseignais. Je trouvais que c'était intéressant, même pour les enseignants, de passer 3 ans à faire de la recherche, découvrir ça, s'initier à la recherche, pour pouvoir faire profiter à leurs élèves de cette expérience. Au moment de partir enseigner, je me suis dit qu'il valait mieux se donner 3 ans de plus pour découvrir un peu plus ce qu'était le métier de la recherche. Si je partais enseigner, c'était une expérience que je pouvais aussi valoriser pour les élèves. Je pense que c'est intéressant pour les élèves d'avoir des enseignants qui ont côtoyé un petit peu la recherche. Ça leur apporte quelque chose aussi bien dans la façon d'enseigner que de leur parler de cette expérience, de leur parler des différents métiers qui existent. Et puis, c'est un moment où je pense que je commençais à hésiter sur cette carrière d'enseignant, où je commençais à découvrir l'autre côté, enfin le côté en recherche qui m'intriguait et j'étais curieuse de savoir ce que c'était. Alors, on va peut-être avancer un petit peu et être un peu plus spécifique concernant ta thèse, parce que donc, tu as préparé ta thèse dans une des équipes de recherche du département de mathématiques, du laboratoire précisément, qui est l'équipe analyse numérique et équations aux dérivées partielles. Et ta thèse a ceci d'un peu particulier, qu'elle a à la fois des aspects théoriques, mais aussi des aspects de simulation numérique.
Et c'est vraiment une thèse qui est très équilibrée entre ces deux grands pôles de cette équipe. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus comment ça s'est fait finalement et quelles ont été là aussi les difficultés que tu as pu rencontrer et puis les découvertes que tu as pu faire à cette occasion? Oui, alors pendant mon Master 2, j'avais des cours à la fois très théoriques et très numériques, et les deux m'intéressaient. Et j'avais envie d'utiliser l'un et l'autre, que le numérique nourrisse le théorique et que le théorique nourrisse le numérique, qu'on puisse faire des ponts entre les deux. Et du coup, j'ai cherché des encadrants qui me proposent un sujet qui mêle les deux aspects. Donc je suis allée voir plusieurs personnes du département de mathématiques, au laboratoire d'Orsay et puis ailleurs, puisque j'étais pas forcément fixée sur Orsay. Et voilà, mon objectif, à chaque fois que je suis allée voir quelqu'un pour avoir un sujet de thèse, c'était j'aimerais faire quelque chose qui mêle du théorique et du numérique. J'avais vraiment envie de mener ça, ces deux aspects. Et alors, j'ai rencontré plusieurs personnes. Alors pour certaines personnes, c'était difficile parce que le sujet qu'ils pouvaient proposer, enfin, il n'y avait pas de possibilité de faire du numérique ou ce n'était pas évident. Enfin, on ne voyait pas immédiatement ni comment le faire ni avec qui. D'autres étaient plus réticents à avoir une composante numérique. J'ai eu des réticences à cela. Et finalement, en fait, j'ai fait ma thèse donc avec Bernard Helfer et François Allouge. Et donc Bernard Helfer, qui ne connaissait pas du tout les aspects numériques, mais qui avait envie de découvrir, mais qui ne savait pas ce qu'on pouvait découvrir derrière. Et François Allouge, qui, je pense, s'est un petit peu plus lancé le challenge de le faire, d'essayer de se lancer dans ce challenge. Et puis finalement, je continue toujours maintenant à essayer de mêler ces deux aspects, théoriques et numériques, ce que je trouve que il y a eu des résultats qu'on a eus, qui nous ont permis, en utilisant ces aspects numériques, ça nous a permis de découvrir certaines choses et certaines questions à se poser théoriquement, à essayer de comprendre ce qu'on observait numériquement. Et à l'inverse, on avait réussi à démontrer certains résultats théoriques, et quand on utilisait l'outil numérique, on n'obtenait pas du tout ce qui était entendu théoriquement. Donc les deux se sont vraiment nourris tout au long de mes recherches. Alors après le laboratoire d'Orsay, tu as été donc reçu au CNRS comme chargé de recherche. Et dans ta carrière, tu as pu fréquenter plusieurs laboratoires de recherche, celui de Rennes, celui de l'École normale, etc. Si on te demandait ce que ce corset a de particulier, qu'est-ce que tu dirais? Alors par rapport aux autres laboratoires que j'ai eus, je pense que c'est la taille. Oui. Parce que c'est vraiment un très gros laboratoire, Orsay. Et c'est vraiment, c'est par rapport à Rennes, qui est aussi un très gros laboratoire, mais moi, je passais la plupart de mon temps à l'école normale de Rennes. Oui. Donc dans une équipe qui était beaucoup plus petite. Alors Corset, c'est tout de suite, c'est vraiment le côté dimension qui m'a marqué. Ouais. Et cette dimension t'a permis éventuellement d'interagir avec des gens un petit peu au-delà de ta discipline stricte ou pas? Comment ça s'est passé ça? En tant que doctorante en particulier? Alors en tant que doctorante, non. Je suis vraiment restée dans le groupe analyse numérique EDP, oui. Parce que justement, en fait, avec la taille, il y avait suffisamment de monde, on va dire, oui. pour avoir les discussions en interne. Et il y avait déjà beaucoup de discussions dans ce groupe-là. Oui, oui. C'est déjà un gros groupe. Hein, voilà. Et si on compte effectivement les chercheurs et les doctorants, on arrive à une soixantaine de personnes. Voilà, donc c'est déjà un très gros groupe. Par contre, pour tous les aspects diffusion, là, j'ai côtoyé des personnes des autres équipes. Alors, tu peux nous parler un peu de ces aspects de diffusion auxquels tu as participé? Notamment, j'ai participé à la Fête de la Science, plusieurs années de suite, qui était à ce moment-là menée par Pierre Pansu, qui reste quelqu'un qui est très actif sur ce domaine. Et également, Matangine. J'ai encadré pendant 3 ans des ateliers Matangine. Tu peux nous dire ce que c'est que Matangine? Alors, Matangine, le principe, c'est de mettre deux lycées en parallèle, enfin plutôt en les mettre pour qu'ils travaillent ensemble. Donc là, en l'occurrence, c'est un lycée à Paris et un lycée à Cluses. Oui. Et on leur propose des petits sujets de recherche. Donc il y a une dizaine de lycéens de chaque lycée.
de niveaux différents, ça peut être des secondes, première, terminale, hein, c'est ouvert à tout, et on propose quelques sujets de recherche pour qu'ils puissent s'initier à la recherche, donc on peut proposer des sujets assez ouverts, et ce n'est pas du tout un problème qu'on leur pose avec question 1, 2, 3, 4, on leur donne un sujet très ouvert, et puis ils doivent essayer de se poser eux-mêmes les questions, ou essayer de comprendre ce qu'il y a d'intéressant derrière ce sujet. Et ensuite, donc, ils travaillent là-dessus toutes les semaines. On va les voir tous les mois pour les aiguiller, pour leur donner des pistes de réflexion, pour leur donner des points à creuser ou pour leur dire que ce qu'ils font, bah, c'est finalement, c'est, soit c'est très intéressant, mais c'est vraiment trop compliqué, soit effectivement, on n'y avait pas pensé, ça peut être il faut aller plus loin. Voilà, vraiment les guider dans ce chemin-là. Et au printemps, il y a une restitution de leurs travaux. Donc, ils font un exposé sur ce qu'ils ont fait durant toute l'année. D'accord. Alors, je vais revenir un petit peu au début et peut-être même remonter donc, dans le temps. Donc, avant d'arriver à Orsay, tu as eu cette classe préparatoire. Avant, j'imagine que tu étais déjà intéressé par les mathématiques un petit peu au lycée. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes, et je pense notamment à des jeunes femmes, parce que nous n'avons pas beaucoup de femmes en mathématiques, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes filles ou jeunes femmes qui sont en lycée, en première et terminale, qui s'intéressent déjà aux mathématiques, qu'est-ce que tu leur dirais pour un petit peu les encourager à aller vers les mathématiques, qui peuvent souvent sembler, notamment la recherche mathématique, qui peuvent souvent sembler inaccessibles à ces personnes? Alors, moi, c'est vrai que je me destinais à l'enseignement, donc finalement, cette découverte de la recherche en mathématiques, ça s'est fait très tardivement. Oui. J'aimais les mathématiques, donc j'ai toujours essayé de me laisser les voies les plus ouvertes possibles, en fait, quand j'ai fait des choix, quand il a fallu faire des choix pour sa scolarité. Donc, j'ai toujours essayé de choisir les portes les plus larges possibles, parce que j'avais envie d'être enseignante, mais en même temps, peut-être qu'il y avait un autre métier que je ne connaissais pas qui pouvait être intéressant. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout ne pas se censurer ou ne pas se dire « je ne vais pas y arriver ». Enfin, en se laissant les voies suffisamment larges, on arrivera toujours à bouger un petit peu, changer d'orientation, et puis on retombera sur ses pieds. Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut surtout pas, au départ, se dire « non, je ne vais pas y arriver », parce que là, effectivement, si on part comme ça, déjà, on ne tente pas. Donc, moi, j'ai vraiment envie de dire bah, « essayez », et puis prenez, si vous n'êtes pas sûr, prenez une voie assez large. Et puis, vous arriverez toujours à trouver dans cette voie quelque chose qui vous plaira. Mais il ne faut pas dire non avant d'essayer. En guise de conclusion, une petite question piège, mais peut-être pas tant que ça. Si on te demandait ce qu'il y a à améliorer au département de mathématiques d'Orsay dans l'accueil des étudiants et des jeunes chercheurs, tu dirais quoi? Alors si je reprends vraiment l'expérience que j'avais moi quand j'y étais, j'ai peut-être envie de dire les locaux. Oui. Mais là, je pense que vous avez trouvé la solution au problème. Oui, nous espérons bien que la solution sera trouvée dans quelques mois. Oui, absolument. Merci.